Bonjour et bienvenue, je vous montre aujourd'hui comment réaliser une statue de l'abbé Fouque. Pour cette pièce, je me suis librement inspiré d'un buste qui se trouve dans le presbytère de l'église de La Palue à Marseille. Et j'en ai fait un personnage assis, priant son bréviaire. Pour cette vidéo, la caméra est fixée sur le châssis pour qu'on puisse bien voir le plastique épouser l'intérieur du moule. Vous allez voir, c'est impressionnant. Et en avant pour cette séquence frisson au cœur de la matière. Jean-Baptiste Fouque est né le 12 septembre 1851 à Marseille et il est mort le 5 décembre 1926. C'est un prêtre qui s'est surtout illustré dans l'action sociale au service des plus démunis. Il était partout sur le front de la misère. Il est notamment le fondateur de l'hôpital Saint-Joseph de Marseille et de bien d'autres institutions. Il a été béatifié le 30 septembre 2018. Le père Bernard Adura écrivait en 2004 dans son livre « L'abbé Fouque est connu de tous, des croyants qui fréquentent assidûment l'église de La Palue, comme des incroyants qui voient en lui un homme à la bonté exceptionnelle, des pauvres auxquels il a consacré la majeure partie de son activité, comme des riches sans lesquels il aurait difficilement pu mener à bien ses projets d'assistance. Ce sont les œuvres créées par l'abbé Fouque qui entoure encore Marseille d'une ceinture de bonté. Prions.
Seigneur, notre Dieu, tu as accordé à Jean-Baptiste Fouque d'être un témoin de ton amour pour les plus pauvres, les malades et notamment pour les jeunes en difficulté, dans lesquels il reconnaissait lui-même le visage du Christ. Soucieux de leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile et de leur offrir une formation humaine et spirituelle, leur permettant de devenir des hommes et des femmes dignes de leur vocation d'enfants de Dieu, il consacra toute sa vie à les servir et à te faire aimer. Tu l'as tellement comblé de ton amour qu'il fut reconnu par les croyants et les incroyants comme un signe vivant de ta bonté. Par son intercession, donne-nous de vivre avec le même zèle au service de tous nos frères. Amen.